C'est pas censé être facile, tu sais. Mais ce sentiment passera avec le temps. Je sais. C'est ce qui m'effraie. Après tout ce qu'on a vécu, comment oublier sa propre sœur? Toutes ces nuits, quand les lumières s'éteignaient, et que les monstres sortaient de leurs cachettes. J'ai toujours pu compter sur Zofia. C'est la personne la plus forte que je connaisse. On a passé nos vies à essayer d'être parfaites. De parfaites filles, de parfaites élèves, de parfaites soldates. Mon père est mort, nous l'avons pleuré. Mais ce jour-là, une partie de Zofia est morte aussi. Cette partie, il faisait d'elle ma sœur. J'ai passé des années à essayer de la contacter. Mais après tout ce temps, il n'y avait plus rien à dire. Ella. Père aurait honte de toi. Il est mort, Zofia. Mais toi, tu m'as abandonnée. Laisse ces enfants jouer ensemble. Ici, c'est la cour des grands, ma belle. J'ai toujours été loyale envers eux. Et elle. Oui, mais... la question la plus importante est... eux, étaient-ils loyaux? Tu as suivi ce que disait ton cœur, Ella. Ça demande du courage. Bienvenue dans la famille, Trésor. Le futur est déjà là, et nous y sommes bien préparés. Notre simulation a créé les chefs et les escouades qui affronteront Rainbow une fois de plus. Ils seront le marteau, le scalpel, et bien plus encore. Ce qui s'est passé avec Nighthaven ne nous a pas beaucoup surpris. Parfois, le voyage vers l'illumination requiert d'abandonner une partie de soi. L'avenir doit être bâti par ceux qui sont loyaux envers cette unité et envers notre objectif premier. Je ne peux qu'espérer que le chemin emprunté par nos anciens camarades soit vertueux. Pour leur bien.